J'ai reçu un appel de l'hôpital. Pépé est mort. Je sais à quel point il comptait pour toi. Mais non, ça sert à rien! T'as aucune idée de qui il était! C'était la dernière personne de la famille, Paul! Mais toi, tu l'as jamais considéré comme papa et maman! Et j'ai reçu une lettre sur laquelle il y a écrit un expéditeur, un ami de votre grand-père. Il m'a chargé il y a quelques années de vous donner cette clé le jour de sa mort. Cette clé ouvre un garage au 36 rue du Levant. Il y a des skis. T'as déjà vu des skis en vrai, toi? Il nous a laissé une lettre. Il dit qu'il a trouvé un... qui connaît un endroit sur Terre où il y aurait encore de la neige. C'est fini. Ben non, mais tu sais quoi, moi je vais y aller tout seul, je vais te dire que Pépé il avait raison. Il va y avoir des difficultés sur la route là. Il y a un mur, il y a un mec qui fait de l'escalade. Bah vas-y, c'est parti. Ça fait des jours que je marche, et toujours pas signe de ce premier obstacle. Enfin te voilà. Au moins je suis sur la bonne route. Hey hey Mathieu! Mathieu!
Mais Frangin, mais franchement, c'est incroyable l'endroit où on est. Non, mais tu me dis que ça fait un mois que je suis là, mais je te rends pas compte et tout, l'endroit dans lequel je me trouve, dans lequel tu te trouves aussi. D'ailleurs, mais comment t'as fait pour me trouver? Comment t'es venu jusqu'ici? Viens, je vais tout te raconter depuis le début. Bon, ok, Max. Faut tout que je te dise depuis le début. Il y a jamais eu d'ami, papy. C'était moi depuis le début. Mais Paul... Arrête, je vais tout te raconter. J'ai pas inventé cet endroit. Cet endroit, j'y suis déjà allé quand j'étais plus petit, avec papy. Oui, j'ai déjà skié. Oui, j'ai déjà connu un monde avec de la neige. Mais j'ai fait ça parce que t'étais dans un état... J'ai jamais vu ça. Il fallait que je fasse quelque chose. Ça faisait 4 jours que t'étais pas sorti de ta chambre. Il fallait que je te réveille, que je te fasse une impulsion. Mais j'ai jamais cru que t'allais aller jusqu'à venir ici. Et faut que je te dise encore quelque chose. La dernière fois que je suis venu, c'était il y a une 20aine d'années. Et il y avait déjà quasiment plus de neige. J'ai jamais vu autant de neige de toute ma vie. Mais c'est clair, regarde, il est là maintenant, il est en train de neiger. La neige, il y a une quantité folle de neige. Peut-être que tous les efforts que l'humanité a fait, le recyclage, tous nos efforts, peut-être que c'est en train d'inverser la tendance. Je sais pas, Matt, je sais pas quoi te dire. J'ai pas de réponse, je suis perdu. Je t'ai jamais vu sans réponse. En plus, sur la carte, cet endroit, il est noirci. C'est comme si on voulait nous cacher quelque chose. Tout le monde doit savoir, on doit faire passer l'information. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais si, Paul, tu m'as jamais fait confiance, tu m'as toujours couvé. Pour une fois, laisse-moi faire. On va faire passer l'information. Ceci est un message d'espoir. Moi et mon frère avons trouvé un lieu dans ce monde où la neige existe encore. Nos différentes manières de produire depuis ces dernières décennies nous ont amenés à ce moment. Regardez ce paysage. De la neige partout, que vous n'avez vu que dans des documentaires anciens. Elle est là à nouveau. L'espoir est permis. Deux jeunes frères ont trouvé un endroit sur Terre où la neige est revenue. Peut-être la neige était là der toutes Schnee ces années zurück. Sans que personne es ist ne soit. Die verrückte trouve. Entdeckung zweier französischer Brüder in den Alpen. Vuelve la nieve, es el loco descubrimiento de dos hermanos franceses. Two young French people offer us a snowy video. The discovery is surreal. A place in the Alps where the snow is preserved. The hope for humanity at normal. Vous pensez vraiment qu'on a eu une deuxième chance?